Eh bien, bonjour à tous et bienvenue les amis. Bienvenue, faites des dons les amis. Allez, je vais fermer ma gueule. Donc bienvenue à tous pour ce troisième épisode sur Chicken Run sur PlayStation 1. Ah, ça déchire, putain. J'ai tellement hâte de m'y remettre. Là, on est le lendemain, hein, des deux premières parties. Et ah putain, j'avais envie d'y jouer, j'avais envie de me remettre dedans, donc écoutez, c'est parti, let's go. Je vais vous mettre le petit affichage des familles qui fonctionne bien. On va recliquer sur l'écran. Voilà, perfect. J'ai préparé le timer. Et oui, la partie précédente faisait 1 h 30, les gars, je suis désolé, hein, Et ben en fait, j'ai pas vu le temps passer en jouant. Je me suis dit, oh, ça doit faire 30 minutes, 40 minutes que je joue, on va remettre 30 minutes, on sait jamais. Et en fait, ça faisait 1 heure que je jouais, quoi. Donc, bah du coup, j'ai fait une partie d'1 h 30. Je suis désolé. J'espère que cette partie... Enfin, normalement, cette partie, voilà. Hein, là, j'ai le timer sous les yeux, donc il n'y aura pas de souci. Allez, on va charger le bordel. Donc, j'ai vu que le son de la deuxième partie était correct. Donc, j'ai laissé les mêmes réglages... pour cette partie-là. Alors, faut se remettre dans le game. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vais juste remater un peu. Ouais, donc fallait faire l'avion. Il nous fallait donc des outils, la scie et tout, des jumelles. Ah oui, il fallait que j'aille voir la meuf là, peut-être pour les œufs. Pour les œufs. Et j'avais donc checké la zone. J'avais checké la zone. La première zone du jeu. En dehors du poulailler. Et j'avais checké aussi la zone. Ça Tout c'est va là. bien? Ah oui, Zinzia. On sera tous. Bon, ben. Ouais, non, Non, bah c'est ben. pas elle alors. Et j'avais aussi. J'avais checké la zone où il y avait les deux chiens là qui pétaient les couilles. Donc il faut juste que j'aille dans l'autre zone pour checker. Bon, de toute façon c'est pas ici qu'il y a quelque chose. Je vais checker toutes les baraques quand même parce que à mon avis il faut que je parle avec une poule pour qu'elle me file des œufs. On va se faire toutes les baraques pour être sûr et certain d'avoir tout visité. Salut. Ouais, Ginger. Je suis tellement excitée. Je vais voir. Je reviens. Donc c'est pas elle, Betty, hein. Donc c'était Morissette, je crois qu'il fallait que j'aille voir. Putain, la caméra, les mecs, c'est compliqué. C'était Morissette, donc... Le truc, c'est que je sais pas où elle est, quoi. La baraque 3, il y avait juste la cuillère. Donc je crois qu'il n'y a pas de poule dedans. On va quand même regarder, parce que peut-être que depuis, il y a une poule. Ah si, il y a des poules qui dorment, quand même. On peut pas leur parler. C'est marrant, ils ont mis des poules qui dorment sur les trucs. Ils auraient pu rien mettre du tout, quoi. 14. Donc là. Ah oui, 14, on peut pas y aller. Oh, putain. Le truc, je l'ai même pas vu arriver, quoi. Donc 14, on peut pas y aller, c'est bizarre. C'est peut-être pour la fin. C'est peut-être une fois qu'on a les ailes et le moteur, les moteurs. On peut y aller. Bon. Là, il n'y a que dalle. Donc, c'est pas dans la partie A, c'est pas dans la partie B. Donc là, faut que j'aille dans la partie C. Putain, les chiens, ils pètent vraiment les couillasses. Hein. Partie C. Donc, s'il y a moyen de gratter des œufs pour les ratons, là, ça pourrait être sympa, ça. Sinon, je vois vraiment pas comment faire. Alors, cabane 6, allons-y. Bon, il n'y a rien du tout ici. Au moins, on aura visité toutes les cabanes, parce que bon... Cabane 11. Ah, non, je crois qu'on est déjà venu ici. Salut, je... Salut Ginger. Il me faut des Cynthia. perches, de la... Ah bien sûr, pour le linge. Ah, attends. Salut Ginger. Ah bien sûr, tu... Pour le linge, ça risque d'être compliqué.
Rikerak nous. Ok, je voyais qu'elle parlait de Rikerak, mais donc je me suis dit peut-être qu'elle me donne un indice pour les œufs, mais non. À la limite, je peux pas pondre des œufs, moi, avec une touche spéciale, et puis je les file au rat, quoi. Ah putain, il y a le gars! Ah oui, il y a le mec carrément dans les baraquements, enfin, qui se balade dans le coin. Ah, il y a un truc par terre. Ah non, c'est là. Truc de flotte. Non, là on peut rien faire. Donc j'ai récupéré un truc bonus encore. 12. Et donc la dernière que j'ai pas visitée, c'est celle-là. La 5. Je peux pas y aller. Au moins comme ça c'est clair. Faut que j'aille à la D maintenant. Ça doit être en haut, la D. Vite. Putain, le jeu freeze, non, ça va. Il y a des petits freezes. Ah non, c'est B ça. Merde. Attends. Ah, attends. Je dois me gourer encore. On est dans la zone C. Eh ben. Ah oui, non, c'est ça. Faut que j'aille là-haut alors. La zone D, c'est par là. Ok, ouais, la B, c'est de là d'où je viens. Je suis con. Donc zone C, il n'y a que dalle. Et zone D. Alors baraquement 7, allons-y. Là, il y a les outils. Je peux pas y aller. Baraquement 10, je crois que j'y avais déjà été dans la partie précédente. Et c'est... Bon, de toute façon, c'est pas ici. C'est sûr que c'est pas ici. Baraquement 9, allons voir. 9, peut-être comme œuf. Alors ça m'étonnerait. Et c'est là où il y avait. Ok. Je vois ce baraquement. Ok. Et bah du coup il me reste que celui d'en face. Et donc ça veut dire que les œufs c'est pas là alors. Donc peut-être qu'il faut choper les derniers items avant de s'occuper des œufs. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça parce que là il y a que dalle. Hein. Ah c'est les mêmes skins de poules qui dorment par contre. Pas du bien y jouer ça. Ok, bon. Alors là, il faut que je retourne dans la partie C, je crois. Hop. Ça tombe bien, c'est là. Donc, je prenne le passage qui est sous le truc. Sous le grillage. Attention à ne pas me faire gauler. C'était bien dans la partie C, hein, le... Ah non, c'était dans la partie B, je crois. Ouais, c'est dans la partie B, le truc sous le grillage. Dans la partie C, il n'y avait rien. Donc ça doit être là-haut. Hein. Ça doit être carrément là-haut. Putain de clébard de merde. C'est bon. Voilà. Je commence un peu à me repérer, ça va. Je commence à comprendre où sont les trucs. Je suis pas totalement paumé. Donc là, il y avait juste la zone ici à check. Là, il y a un chien, donc attention. Hop. Ah merde! Ok, là, c'est fermé. Ah là, je suis dans la merde. On va balancer un chou là-bas. Bouge. Merde! Oh! Je l'ai glitché. Va par là. J'ai complètement glitché le clébard. Merde. Y a rien ici? Y a rien ici, donc. What the fuck? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, du coup? Faut que j'aille où, là? Parce qu'on sait que c'est pas par là. On sait que c'est pas par là. Très bizarre ça. J'avais checké la première zone. Merde. Putain.
Ah, en fait, les chiens, ils pop, j'ai l'impression un peu sur ta gueule, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, ils les font pop autour de toi. C'est pour ça que parfois, je me fais surprendre. Il y a des œufs là, ici, regardez. On va aller voir là-dedans. Mais ça, c'est des mini-jeux, je crois. Est-ce que c'est en faisant des mini-jeux que je récupère des œufs, peut-être? On va voir. Récupérer autant d'œufs que possible. Ah, bah, ça doit être ça. Appuyer sur rond pour nourrir les poules. Croix pour attraper les œufs. Bonne chance. Démarrer. Et donc. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. D'accord, donc c'est ça en fait. Ok, pour attraper les œufs, c'est ça qu'il faut faire. Donc. J'en ai chopé 5. Votre attention. Un escadron doit apprendre à travailler. Alors attends, on va le refaire. Il en faut 6 apparemment. Donc en fait oui, c'est le nombre que les rats m'ont demandé en fait, je crois 6 œufs. Donc c'est bien ça. OK, mais putain, mais personne te le dit en fait. À moins que Morissette ce soit cette poule là, la rouge et que bon, et en fait, faut juste le savoir quoi. Merde, le con! Ah putain, est-ce pas évident? Hop, c'est bon. Temps écoulé, donc j'ai 6 œufs. Parfait. Je suis content que tu sois sorti de. Voilà, quitter. Je pense que c'est ça qu'il fallait faire en fait. Mais voilà, mais oh, putain, comment tu peux savoir ça quoi? En fait, faut rentrer dans les baraques au fin... aléatoirement. Cela dit, je suis rentré parce que. Ah, et bah voilà. Je suis rentré parce que j'ai vu. Alors, attends, B. Normalement, le B, c'est là, donc le trou est là-bas. Les rats, c'était où en fait? C'était dans les égouts, les rats, qu'ils étaient. Je crois pas qu'il y en avait par là. Hein. Si, si, il y en avait dans la maison. Il y en avait dans la maison. On va aller dans la maison, on verra bien. C'est juste. Hein. Oh putain. Non, elle va me prendre les œufs, non? Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Ah, ça c'est un peu dommage, en fait, tu les vois pas, les chiens. Tu sais pas où ils sont, la map est pas assez grande. Putain. Mais what? Mais le truc pop sur moi aussi, comment tu veux que... On va monter là, et puis on va redescendre sur le côté. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Voilà. Hop là. Merde, c'est pas là, la mais le... Ah si. Attends, je sais que je suis une merde en orientation, mais attends, il y a quand même pas beaucoup de zones à retenir. Ok, donc on va aller dans Zibarak. Mais rentre dans le truc là. Mais rentre dedans! Elle se colle au mur et tout, c'est vraiment une infamie, le bordel. Alors voyons, qu'est-ce qu'ils me disent les rats là? Non, jette un coup d'œil à cette liste. J'ai vu. C'est un travail dangereux, mademoiselle. Dangereux ou pas pour. Évidemment. Ouh là là, il nous faudra. J'en aurai plutôt de. 10? Je vais vous donner 6 œufs tout de suite et. Très bien. D'avant quoi. Ramenez tout ici. Nous n'avons pas. Ah, trop bien, on les joue. Changer personnage. Ah, mais c'est excellent. Ah, putain, je m'attendais pas à ça. Donc. Alors, attends. Trop bien ça. Ah, on a un gnome. Ah, c'est ça le fameux gnome qui nous permet de nous cacher des chiens. Putain, excellent, on peut jouer les rats, quoi. Alors, par contre, ça fait quoi de changer de perso? C'est pas. Ah, putain, j'appuie sur rond à chaque fois pour quitter, quoi. Mais dégage, inventaire de merde. Changer de perso, voilà.
Bah déjà, je peux même pas monter dessus, les gars. Oh putain, attends. Ah, c'est rond. Lui, il a double saut. Ah, mais le double saut qui sert à rien. Est-ce que je peux monter là-dessus? Non. Là, il y a un truc ici. Comment je peux grimper sur le truc? Je peux pas pousser ça, il faut quelqu'un de plus fort. Ah d'accord. Donc lui il peut sauter, il peut faire double saut, et l'autre rat il peut déplacer les trucs. Bon de toute façon je peux même pas monter dessus, donc c'est complètement con. Oh putain. Ouais, là par exemple je sais même pas où est le chien quoi. Ah c'est dessus. Je monte sur le bureau alors. Alors attends. On va utiliser le gnome. Ok, il y a les jumelles là. Ranger. Putain, je peux pas monter sur les meubles et tout, ça me casse les couilles. Ah, c'est bon. Ah, faut prendre l'autre rat pour le mettre sur l'autre truc. Putain, c'est énorme. Un chien vous a attrapé? What the fuck? Le mec, il est à 75 mètres. Arrête tes conneries, là. Putain. Attends. Faut que je réfléchisse, là. Parce qu'en fait, finalement, c'est pas si évident que ça. Inventaire. Ah, faut vraiment que ce soit l'autre perso en fait. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est bien ce que j'avais fait la première fois. J'ai vraiment du mal. Hein. Putain, les commandes, j'ai trop de mal. Ah, avec la gâchette, je peux le faire directement. Oui, bah oui, évidemment. Changer de personnage. Ah, mais là, il va me gauler, là. Ah non. Attends, je comprends pas du tout là. Putain, je veux pas appuyer sur ça. Ah voilà. Putain, c'est compliqué hein. Quoi? Ah non, en fait, c'est l'inverse. C'est bien l'inverse. Donc ça a pas marché tout à l'heure. Va comprendre. Ok. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce que l'autre est plus fort et lui est plus léger. Ok, j'ai les jumelles. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire là? Je peux monter sur la table. Ah putain! Oh le gameplay de merde. Ah, c'est vraiment de la saloperie. Allez, active-toi, Jean-Jean. Putain. Oh là là, mais c'est de la merde, hein. Oh, le gameplay est dégueulasse, les mecs, c'est chaud. Oh, le mec, il tombe alors que j'étais même pas... Putain, mais je suis... Ah là là, là, c'est vraiment de la merde. Mon Dieu. Ok, là, on a la phase la plus pourlingue du jeu, j'ai l'impression. C'est pas ça. Je suis obligé de réfléchir 15 ans pour changer de bouton, quoi. Parce que je sais pas comment on fait à chaque fois. Pour les commandes, c'est un truc de ouf. Alors attends, je vais me coller bien contre le truc.
Voilà, comme ça je vais pas tomber. On a les jumelles. Ensuite. Oh, je suis retombé, mais c'est pas vrai! Bon, est-ce que de toute façon, il se trouve, il y a autre chose à faire? Est-ce que je peux passer là? Non. Ah, on est sur un chef-d'œuvre là. Croyez-moi, on est sur un chef-d'œuvre. En fait, j'aimerais, je vais aller voir si je peux passer de l'autre côté du chien là. Voilà, par là, là. Il y a un truc par là. Non, non, bah en fait, c'est ça. Il faut bien monter. Putain, la vache, quoi. Ça va être tellement chaud. Il faut bien monter par le canapé. Enfin, par le fauteuil. C'est super saqué, hein. Parce que le gameplay est dégueu, alors, bon. Tu sais, te dire que tu tombes, en fait... Cela dit, il y a un autre truc à gauche. Hein. En bas à gauche de ma map, mais bon. Qu'est-ce qu'il faut là? Ficelle, parfait. Changer de personnage. Ah non, c'est bon. Ah, c'est le. Ah, ouais, d'accord, ok. Le point bleu, en fait, c'est les personnages. C'est les rats. Je croyais que c'était un autre item. Mais c'est ça, ok, c'est un rat. Ok, alors attends, par contre. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah, je peux monter là-dessus? D'accord, alors attends. J'ai pas l'impression que ce soit prévu pour, mais bon. Oh là 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 là. Oh putain! Oh le gameplay, mais les gars, c'est une infamie, hein. Oh là là la vache, bon. Comment je grimpe là-haut, quoi? Ça, c'est le rat. Là, il y a quoi? Par là, ça doit être Ginger, donc on s'en branle. Non, il y a juste un truc à choper ici, en fait. Mais comment j'y vais, quoi? C'est ça, la question, en fait. Parce que... Voyons, attends. Ah, ok, d'accord. Je peux juste bouger le truc comme ça. C'est quand même très bizarre, hein, les gars. Je vais pas vous mentir, mais... J'ai un peu de mal à piter. Comment je vais de l'autre côté, quoi? Comment? De là? De la gazinière, je peux... De la gazinière, peut-être? C'est compliqué, hein. De toute façon, clairement, faut le bouger, parce que le truc, il était, voilà. Il était à gauche de base, donc faut juste le déplacer. Ensuite, je fais monter un raton là-dessus, sur la gazinière. Comment je vais là, quoi? C'est ça, le truc, en fait, c'est ça que je comprends pas. Comment je vais là? Je comprends pas. Je peux même pas aller là. En fait... Ah, attendez. Est-ce que je peux le déplacer quand l'autre con il est dessus? Ah, putain, c'est ça. Faut réfléchir, hein. Putain, c'est un jeu où faut réfléchir quand même. Ok. Alors ensuite. T'as les éviers à la Tomb Raider. Voilà.
Le lynche. Et donc là, on décarre. Nous revoilà. Et nous avons tout. Tout, tout, tout. Oui, mamselle. Tout, linge, tout, tout. Ficelle. Et une jolie paire de chamelles. C'est des jumelles, abruti. Je vous félicite. Ce n'est rien, ma jolie. Vous pouvez compter sur nous. Tant qu'on a des œufs dans le vent. Je crois que vous les avez bien. Ok, donc ça veut dire qu'à chaque fois, je dois faire le mini-jeu des œufs de merde. Ah oui, c'est ça. Oh, non. Non. Oh, putain, la vache. Ah, les choux, ça les divertit vraiment pas mal. Hein. Même si tu te fais gauler, tu peux balancer un chou et les chiens, ils vont aller en direction du chou. C'est assez dingue. Alors par contre, je sais plus exactement où est-ce qu'ils étaient les autres. Les autres rats. De toute façon, il faut que je ramène tout au camp. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ah putain, merde. Merde, merde, merde. Non ! Vite, vite. C'est bon. Ici, il n'y avait rien d'autre, je crois. Oh putain. J'ai quand même le souvenir qu'il y avait deux rats. Hein. Enfin, qu'il y avait trois rats, plutôt. Merde. Non ! Non, mais décolle-toi, connasse ! Oh, mon Dieu, que c'est horrible. Mon Dieu, que c'est horrible. Ok, alors. Là, c'était pour les ailes. Regarde ce que j'ai trouvé, Macbeth. Ça devrait nous aider à convertir la baraque. On est dans les temps. Il est encore. Oui, Monsieur Tweedy a presque fini de réparer la machine à tourte. Inventaire. Ah si, je pouvais regarder dans la baraque l'inventaire. Ok, donc c'est pas ça. Plan. Donc là, j'ai. Ah, j'ai pas tout, putain, hein. Il manque des tiges là. Baraque 10 et baraque 11, faut que j'aille. Baraque 10 et baraque 11. Donc baraque 10, c'est à gauche. Oh putain, faut pas que je me fasse gauler, hein. Ça va me gonfler sinon. Donc là, faut que j'aille à ma droite. Non, c'est pas par là. C'est par là. Voilà, là, il y a le chien de merde. Putain, mais... Mais dégage! Putain, mais les mecs, ils te popent au cul, quoi. C'est tellement infâme. Je me suis planté de zone, mais c'est pas par là. C'était pas par là. Ah si, c'est ça. Non, non, je voulais aller au dé. Ben ouais, mais comme je suis complètement perdu, je sais pas où je dois aller, c'est infâme en fait. Faut que je remonte et que j'aille à gauche. À gauche de l'entrée. Enfin, droite de l'entrée. Non, je sais plus, je suis perdu. À gauche, là. C'est ça, hein, ouais. Voilà. Et c'est compliqué, franchement, à se repérer. Hein. En plus, t'es stressé à cause des chiens et tout, c'est... Donc, baraque 11, là. Ou 10, je sais plus. 10. Voilà. On va faire ça. Ensuite, on va refaire les œufs pour récupérer... Ça en a l'air. Super. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, baraque 11. Donc, c'est dans le dans la zone C. Donc, la zone C, c'est là. Voilà, comme ça, là, si je me fais attraper par un chien, c'est pas grave. Il faut que j'aille refaire les mini-jeux des œufs. Baraque 11, voilà, parfait. On balance le chocolat ici. Voilà, c'est... Continuez le travail.
C'est cool, c'est cool. Il y a un sentiment de progression là, ça fait plaisir. Attends, je me ferais bien un café là. Ça fait 29 minutes. Bon, pour la prochaine partie, je me préparerai un petit kawa. Carte, voyons. Carte, donc là, faut que je retourne à la zone A et baraquement 2 pour faire les œufs. Ok, c'est ça. Et je vais en profiter pour sauvegarder. C'était par là. Par contre, Jean-Jean. Merde. Ça passe. Recharge en 8, ça passe. Nickel ou à 4 pas. Ok. Et donc là, j'ai dit baraquement 2. Je me plante pas. On récupère les œufs. On fait une petite save. Quoique, en fait, sauvegarder, ça sert à rien. Voilà. Et en fait, faut, putain, faut refaire ça à chaque fois, quoi. Non, 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 non. J'aurais pas le temps. Je sais pas si je peux faire plus d'eux que ça. Là, j'en ai 8. Je suis content que tu sois sorti de ton. Non, j'en avais 6. Attends. 6, 7. Non, 8, je crois. 8 œufs. 8 œufs. Alors, voyons voir si ça les compte dans mon inventaire ou si en fait j'en ai que 6. J'ai que 6 emplacements dans mon inventaire. Bah, ouais, je crois que j'en ai que 6 en fait. Donc, en fait, ça sert à rien d'en choper plus. Ok. Donc là c'est zone B, c'est par où? C'est par là, hein. C'est ça, non pas du tout. Pas du tout Catherine, putain il est chien de merde. Ah il pète vraiment les couilles les chiens. Ils sont partout les gars. Zone B. Et donc zone B, faut que j'aille en bas à gauche. Tout en bas, enfin tout en haut à gauche plutôt. Par là. Voilà. Et donc les rats, ils étaient dans la grange. Donc ils étaient par là. Hein. Ah donc finalement, faut bien aller par là quoi. Par contre, ça m'emmerde parce que je crois qu'il y avait les égouts. En fait, je crois qu'ils étaient à trois endroits, les rats. Et là, là j'ai que cet endroit-là. Et le dernier endroit, je sais plus où c'était, en fait. Hop là. Ah, en fait, faut pas hésiter à balancer les choux. Hein. Mais c'est super chaud. Hein. C'est... Pour viser, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Voilà, donc là, les rats, ils étaient ici. Et il me semblait qu'il y avait une autre zone avec les rats. Mais peut-être pas. Vous êtes sûr de... Allez. Ça sent la... Mais vous devez la... Et qu'est-ce que... Je vous donnerai... Ah oui. Tais-toi. 6. Ok. En fait, t'as pas voilà. Le choix. À chaque fois, t'es obligé de leur filer 6 œufs, quoi. Même s'ils en demandent plus, elle va toujours dire non, en fait, 6. Ah, donc, ok, donc là, on est. Ah, on est là. Ah, attends, il y a un cric.
Mais je suis con, les perches, elles étaient juste là. Ah, attends, ça sert à quoi d'aller là? J'imagine que ça va être avec l'autre rat. Qu'il faudra faire ça. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chien ou de truc qui nous casse les couilles. Donc ça, c'est pas mal. On va essayer de pas tomber. Ah d'accord, on peut pas aller là, en fait. On peut pas aller là. Voyons voir. Merde. Je me demandais où. Nouveau. Avec ses. Et où elle reste? Quel un. Je suis désolé. Nous ne vous. Évidemment. Quel genre. Je n'ai pas. D'accord. Et nous aussi. Quoi? C'est une blague? Alors, ça pompe? Pas vraiment. Nous n'a. Ah, alors vous êtes. Et nous aussi. Attendez, il y avait que ça à choper ou je me suis fait niquer? Il faut que j'aille rechoper des œufs. Putain, je suis paumé, je comprends rien du tout. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y avait autre chose là. Bon, on va ramener les perches. Et puis on va revenir ici, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Ça m'emmerde parce que... Ça m'emmerde parce que je sais pas du tout... Je sais pas du tout où est l'autre, les autres rats en fait. Où est-ce qu'ils étaient, quoi. Là, on a chopé que des perches, quoi. C'est de la merde. Voyons voir les plans là. Il fallait le moteur. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y avait besoin d'autres trucs. J'ai fait une connerie, je me suis planté, quoi. Là, j'ai chopé des perches. Donc, voilà, ça va m'aider déjà. Les ailes sont prêtes. Ensuite, il manque la caisse d'outils, des rouages. Et puis tout le reste, là, le moteur, l'huile et la chaîne. Et donc, par contre, les perches, faut que je les ramène. Putain, c'est compliqué, hein. Ça rame et tout. Ok, baraquement 11. Qui est donc la zone C, je crois, c'est ça. Donc on est là, donc il faut que j'aille au nord. Faut que j'aille au nord. Enfin, par là. Il va y avoir un clébard de merde à tous les coups. Voilà. Putain, je crois que je me suis fait baiser avec les rats là. Hop. Enfin, il y a. Tu dois être épuisé. Fantastique. Je suis sûr que ce plan va marcher. D'accord, donc là c'est bon. On a tout ramené, donc les ailes, c'est good. Encouragez les poules à attraper ce qu'elles fabriquent. Appuyez sur les touches indiquées. Waouh. Ah. Ah, comme ça? Attends. Allez,
J'ai un peu de mal à comprendre. Hein. Là, je passe de l'un à l'autre. Je fais comme ça. C'est pas évident, d'ailleurs. On peut branler la manette aussi, ça fonctionne. What? Ah, j'ai tout fait au milieu. Ah ouais, putain, c'est pas évident. Merde. Ah, je vais foirer, je pense. Putain, c'est chaud. Merde, on joue à nouveau. Attends, je vais poser la manette. Vas-y, branlette, branlette. Hop, ensuite, ici. Ah, les deux, là, c'est pas évident. Ok, ici. Plus vite, mais TG, là. Pédale, va. Ah mais attends, je ramasse même pas ce qu'elle me file. C'est ça en fait, faut que... Eh ben, on se chocolat là. Allez, vite! Il reste plus qu'elle là. Putain, c'est chaud! Ah, c'est mort. Putain, j'ai mal au WAD et tout, attention quoi! Eh, mais c'est super hard! Est-ce qu'il y a un ordre précis ou. On va faire les deux premières déjà et on fera l'autre en dernier. Bon, quoi que, allez, on peut la gauler là. Tef, ça passe. Hop, allez, ici un coup. Ah, c'est ça, en fait, j'avais pas compris qu'il fallait les récupérer, les trucs. Vite. Ah, putain, elle, je l'ai loupé. Ah, laisse tomber. Pas le temps. Vite. Ah, c'est mort. Ah, il reste plus qu'elle. Allez, pêche-toi, connasse. Là. Tricote, là. Allez, tricote, là. Balance le chocolat, putain, nickel. Médaille d'argent. Eh.
Merde, j'ai fait jouer à nouveau, on s'en branle. Ok, j'ai fait les ailes. On va pouvoir s'envoler. Ok, putain. C'est marrant parce que ça alterne avec des mini-jeux et tout, c'est pas mal. Hein. Ok. Bon. Alors là, on est niqué parce que, donc, plan, les ailes, c'est fait. Écoutez, je vais retourner voir les rats. Je vais retourner voir les rats. Par contre, faut que je retrouve le chemin. Putain, ça pète les couilles! Il y a des chiens partout, c'est de la merde! Mais d'écart! Putain, mais casse-toi! Ah la vache, c'est de la merdasse, ces clébards de pute là! D. Ouais, c'est D de toute façon. Mais décolle-toi! Oh, oh, oh. Ah, ça rend ouf, hein. Putain, quand elle se colle au mur là, alors que t'as pas du tout envie qu'elle fasse ça. Mais radasse, quoi. Ok, c'est pas du tout là en fait. Ah, d'accord, je suis dans le dé. Ah, mais si, c'est bon. Si, si, c'est bon. Faut que j'aille au A en fait. Et d'écart! C'est une blague. Vous avez vu comment il m'attend ce PD là? Putain, c'est énervant quoi. Heureusement que j'ai masse de choux. Hein. J'ai ramassé toutes les caisses de choux du game. L'expert du chou là. C'est là. Donc ensuite faut que je retourne. Mais ça c'est vrai que c'est chiant. En fait, tu dois prendre les œufs au truc A, ensuite il faut retourner dans le C pour partir. Ah non, c'est B, je crois. Démarrer, allez. Bon, par contre, c'est toujours la même musique, les gars. Ok. Allez, voilà, 6 œufs, c'est parfait. Pas besoin d'en prendre plus. Allez, hop. Je suis content que tu sois sorti de ton... Ah, il pète les couilles, le vieux coq de merde, avec ses médailles. Il ferait mieux de se les agrafer au cul, là. Mec, à chaque fois, il vient de dire eh, c'est pas mal et tout. TG quoi. Ok, D, donc c'est pas du tout là. Ça va être C là, non? Non, B, c'est B, il faut que j'aille au B, c'est par là. Putain. Allez, dégage. Donc faut que je reparle au rat dans les égouts. C'est bizarre quand même, hein. Franchement. Ah. Putain, mais. La vache, il court tellement vite. Ah, ça me pète les couilles. J'en ai marre de ces chiens. Mais faites-les piquer, bordel. Ah, en fait, faut juste que je passe en hauteur, quoi. Là, je me fais pas gauler. Putain, faut que je me retape les ratons, là. Bon, peut-être que j'étais obligé de faire ça pour que ça puisse débloquer une nouvelle zone. Quoique non, parce que je pouvais accéder, je pouvais mettre le truc en hauteur et je sais pas bien à quoi ça servait en fait, au final. Je sais pas du tout à quoi ça servait en fait. À moins qu'il y ait des rats en hauteur, là, que je puisse aller en hauteur, mais j'ai pas le souvenir qu'il y en avait, donc... Bon, on va aller leur donner les œufs, on va voir. Putain, ça veut dire que si... Ah, peut-être que j'étais obligé, peut-être. Bien sûr. Donnez-moi une seule bonne raison pour... Parce que vous... N'est-ce pas... Ouais, voilà.
Ok, bon, ça a l'air d'être good. Alors peut-être que j'étais obligé de venir une première fois pour finir les ailes et de revenir après. Ah non, 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 ça veut dire qu'il faut pas que je déconne en fait. Mais je vous avoue, je comprends pas bien en fait ce que je dois faire là. Là, il y a le creek. Parce qu'en fait, les perches étaient là. Donc, à quoi ça servait de le creek et tout là? Ça sert à quoi en fait? C'est ça le truc. À moins pour aller ici, mais. Ah, il y a un trou là, non? Non, il n'y a pas de trou du tout. Là, je dis de la merde. Je comprends pas, hein. Franchement, là c'est assez ouf. Faut pas que je tombe dans le trou, surtout pas. Putain, je comprends pas ce que je dois faire, quoi. Écoutez, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre un rat dessus, là. Tellement que dalle. Le creek, je comprends pas à quoi il sert. Parce que quand je l'active, il se passe rien en fait. Ah, cela dit, j'avais pas fait ça tout à l'heure. Ok, ça active le tracteur, mais donc. Et là, ça fait quoi de faire ça? C'est peut-être là que le creek rentre en jeu. Ah, ça, c'est le genre de truc qui me saoule dans les jeux, c'est quand tu sais pas ce que tu dois faire, quand tu comprends pas. Du coup, que t'actives des trucs aléatoirement. Ah si, c'est bon. Et donc là. Putain, je comprends tellement rien, c'est chaud. Ah, mais non, mais là, il faut que je le refasse tomber, alors. Ah, voilà, c'est ça. Et donc, il va péter la porte de la grange, non? Ou le moteur va tomber, ou... Ok, ça a balancé la moitié du tracteur par-dessus bord, d'accord. Et donc, là... Putain, ça veut dire... Ah non, mais attendez, c'est ouf. Ça veut dire que si j'aurais pu faire tout ça tout à l'heure, en fait. Et comme un con, j'ai été parler à la meuf. Enfin, au poulet, là. Putain. Donc là, il y a la chaîne. Voilà, parfait. Et on est d'accord, il y a plus que ça. Hein. Voilà, et donc le moteur... Attends, je veux juste être sûr. Hein. Plan. Je veux voir exactement ce qui me manque, en fait. Pour pas faire de conneries. Il y a de l'huile. Alors ça, l'huile, je sais pas du tout où c'est. Le moteur, c'est ce qui a dû virer par-dessus bord. Des outils et des rouages. Voilà ce qui me manque. Mais l'huile, ça m'étonne. Hein. Sans déconner, l'huile, franchement, elle doit être par là, non? Bon, je crois pas que je puisse faire encore quelque chose. Je peux monter sur le tracteur, mais... Non, à mon avis, il n'y a que dalle. Allez, go, on va se casser, c'est pas grave. Au pire, vous savez quoi, on reviendra. Hein. Mission Mission accomplie. accomplie. Ah. En un... En Vous intégralité. avez tout trouvé. Ouais. Et pile là. Et sans supplément. On va bientôt. Ça, Nickel. Boulette en folie, flap garantie. Boucle là. Je sais que tout ça nous a coûté beaucoup d'eux, mais ça valait le coup. Merci. Ok, parfait. Bon, alors. Effectivement, je pense qu'il y avait vraiment une troisième zone avec les rats, mais putain, je sais pas où c'est, quoi. Je sais plus du tout où c'est. Peut-être qu'il fallait monter là-haut. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente ou pas?
Ah, je peux tenter de monter, mais putain, il va y avoir le chien, ça va être relou. Je vais aller par là pour voir. Parce que j'ai le souvenir qu'il y avait des rats... Qu'il y avait des rats à un autre endroit, mais... Non, non, mais c'est pas là du tout. Ok. Bon, cela dit, c'était peut-être dans la... Ah, mais si, ça y est, je me souviens où c'était. Évidemment, le dernier endroit où il y a les rats, c'était dans la cuisine de Madame Tweedy, là. Dans la bouche d'aération, putain. Mais voilà, j'ai complètement zappé ça. Quel sac. Bon bah c'est bon, on sait ce qui nous manque. Là on va choper le moteur. On va choper Z moteur et attention aux clébards qui nous emmerdent pas là. À chaque fois ça mouille le pif là ces conneries. Alors par contre, le moteur, il est où, là, exactement? C'est là, non? Ou est-ce que je me plante totalement et c'est pas du tout là, en fait? Bon, on va au moins ramener la chaîne, mais... Bon, le moteur, je sais pas où il est, du coup. Ouais. Alors, attention. Là, faut que je ramène la chaîne où? Il reste 2 minutes. On va ramener la chaîne, on va aller sauvegarder. Barquement 15. Ah bah c'est là. Oh non! Non! Putain! Oh putain, faut rechoper la chaîne avec les rats. Oh putain, c'est une blague. Oh c'est de la merdasse. Mon dieu. Attends, mais ça veut dire qu'il faut que je refasse le truc des œufs là? Ah non, mais c'est de la merde là, vraiment ça va me gaver. Bah, est-ce que je peux juste y retourner et c'est bon quoi? Bon, par contre, je sais pas où est le tracteur. Enfin, le moteur là. Ah, les chiens, c'est vraiment des enculés, mais c'est un truc de ouf hein. Dégage la pédale. Putain, la difficulté est compliquée là, vraiment. Franchement, c'est super chaud. Hein. Je vois pas où est le moteur, hein. Vraiment, les gars. Je comprends pas du tout. Hein. Putain, s'il me dit il faut des œufs ou je sais pas quoi, mais alors non, ça va tellement me gaver là. Ah putain, c'est une blague de ouf là. C'est une blague de ouf. Il faut refaire le jeu des œufs de merde. Ah, s'il vous plaît, quoi. Dites-moi. Alors. Alors. Oh putain. Nous n'avons pas un seul œuf d'avance. Ah, alors vous allez devoir. Oh, mon dieu, c'est de la merde. Ok, c'est officiel, c'est de la merde. Ça y est. Non, non, mais c'est infâme, les gars. Faut que je refasse le truc du tracteur, de mes couilles, là. Oh putain, c'est horrible. En fait, faut vraiment pas te faire gauler, quoi. Sinon, tu te retapes 10 minutes de jeu, quoi. Bon, bah voilà, hein. Partie de merde. C'était vraiment une partie de merde, hein, les gars. Sans déconner. Eh ouais, le timer. Le timer, donc... Bah écoutez, on va retourner... On va retourner vers les mini-jeux là et puis on va s'arrêter là.
Si j'y arrive, évidemment, parce que... Ah, c'est pas sûr que j'y arrive, hein. Oh, putain. C'est horrible, hein. Franchement, les chiens... Mais en fait, le truc, c'est que tu les vois pas, et ils sont tellement aléatoires. T'as des fois, ils vont être devant toi, tu vas te dire, ok, je fais le tour, et les mecs, ils te popent dessus d'un coup. Regarde là. C'est infâme, quoi. Regarde ça! Et elle se colle au mur. C'est toujours les mêmes merdes, en fait. C'est infâme. Franchement, les gars, mais faut tester le jeu, vous allez voir, mais c'est vraiment de la saloperie. Hein. C'est dommage, quoi. Le gameplay est dégueulasse. C'est dommage parce qu'il y a des bons délires, quoi. Cassez-vous! Cassez-vous, con de mime, quoi! Voilà, on va retourner dans la baraque, vers la baraque 2, voilà. On va s'arrêter là. Bon bah les gars. Écoutez, c'est donc la fin de cet épisode 3 sur Chicken Run sur PS1. J'espère que ça vous plaît. Toujours, c'est vraiment de la saloperie, j'en ai ras le cul. Du coup, bah, je vous dis à bientôt pour la partie 4 de ce super let's play sur Chicken Run. Allez, des bisous et à la prochaine. Ciao.